Salam le monde, ça game pas possible, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Il était une fois. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait cet épisode là. Alors les gars, aujourd'hui assez exceptionnel parce que j'ai réalisé non pas un SBC mais deux SBC. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir sur la miniature j'imagine, et sur le et dans le titre tout simplement. Donc les gars, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui deux légendes anglaises, Steven Gerrard et Frank Lampard. J'ai eu des ennemis en anglais au bac. True story. Donc voilà les gars, le défi Steven Gerrard, pour ceux qui, j'imagine, vont me poser la question, m'a coûté 230 000. Le défi Lampard, de 215 000. Donc voilà, franchement, assez abordable. Si vous galérez un peu les gars, n'hésitez pas à aller sur le site internet Footbin. Franchement les gars, ça rend vraiment service de ouf. Donc voilà, je me suis dit, bon, pour la fin de l'année, voilà, on va se faire un bon kiff. On va essayer de dépenser un peu à droite à gauche dans des SBC assez intéressants. C'est vrai que j'ai toujours en tête celui de Totti à faire, mais les gars, non, c'est hardcore quand même. Pour le moment, voilà, je vais vous présenter donc ces deux joueurs-là. Donc j'ai déjà joué avec, hein, on peut regarder les stats. 7 matchs joués, 2 buts, marqué une passe D. Lampard, 7 matchs, 2 passes D, 0 but. On espère marquer avec lui dans la vidéo. Et après, si on peut regarder les stats, franchement, là, c'est assez équilibré, hein, les deux. 84 de vitesse, 94 en tir, 98 en passe, 85 en dribble, 84 en défense, 92 en physique pour Steven Gerrard. Et pour Lampard, 80 en vitesse, 96 en tir, 93 en passe, 88 en dribble, 78 en défense et 90 en physique. Voilà, franchement, c'est des stats monstrueuses. Après, c'est pas non plus le type de joueur. Tu prends le ballon et tu dribbles tout le monde et tu vas au but. C'est plus, voilà, c'est pour les long shots, voilà, pour les amateurs de long shots. Les gars, ces joueurs-là, mais prenez-les direct. Donc là, les gars, aujourd'hui, je fais un épisode, il était une fois. En attendant qu'on va chercher un adversaire en match simple en ligne. Je sais que c'est toujours long, donc comme ça, je vais raconter ma life. Les gars, pour la petite anecdote, voilà, j'ai préparé une équipe, une MLS. Donc avec, bien sûr, Steven Gerrard et Lampard. Je vais vous proposer, voilà, cette équipe-là la semaine prochaine. Vous inquiétez pas. Et j'y ai même pensé, voilà, pourquoi pas un bon délire avec cette équipe-là, pourquoi pas une série aussi avec cette équipe-là. Je vous en dirai un peu plus tard. Bon alors, l'adversaire du jour, oh, une bonne équipe en plus, une très très bonne équipe, hybride Ligue 1, ah ouais, hybride de ouf, Ligue 1, BPL et Liga Santander, franchement pas mal, avec du Tot, et du Tot, avec Lacazette et Fekir devant, non, franchement pas mal les gars, ça va être un bon test. Et on va voir si son De Gea il va arrêter les frappes de Lampard et Steven Gerrard. Bref les gars, comme d'habitude, let's go. Et donc bien sûr hein, les gars, ce que j'ai pas dit c'est que j'ai mis Lampard et Gerrard remplaçants pour les faire rentrer ensuite pour le collectif. J'imagine que t'as pu deviner. Oh, oh, la frappe. Ouh, c'était la frappe de Lampard ça. La petite frappe là, c'était pas mal là, la petite protection de ça là. Et les gars, pour l'instant on commence bien tranquillement, ça bug un peu hein, les gars, je sais pas si vous allez un peu le constater, mais ouais, ça rame un peu, mais c'est pas grave les gars, c'est jouable encore. Allez, Lampard, premier but de Frank Lampard, j'espérais tout à l'heure, donc je l'avais dit vu qu'il avait pas encore marqué dans mon club, j'espérais qu'il marque dans la vidéo, et bah voilà. Allez, oh, belle action. Oh là là, ah, c'était la passe de Gerrard qui était un peu trop longue là. C'est dommage ça, ça c'est dommage. Ouais, Frank Lampard, pourquoi pas. On va tenter des trucs avec Frank Lampard. Pourquoi pas. Je sais pas à quoi ça a servi, mais c'est pas grave, on a toujours la balle. Enfin, maintenant on l'a plus du coup. Et putain, franchement, le match, depuis que j'ai marqué en fait, il n'y a plus rien qui. En fait, oh là là. Ouh, j'ai fait une bonne faute là. Ouh, j'ai fait une bonne faute. On va boire un peu de fresh tea. Ok, je vais continuer un peu à boire de fresh tea. Je suis désolé, hein, mais moi, Red Bull Boss, ils mettaient pas des coups francs comme ça hein, quand j'avais l'Algérie au pouvoir. Là. Non, bon bref les gars, c'est pas grave, au moins ça relance un peu le match parce que je vous dis la vérité, depuis tout à l'heure je me faisais chier. Donc là au moins ça va me forcer à jouer, quoi, tout simplement. Depuis tout à l'heure je joue pas, donc excusez-moi d'avance pour la qualité de... pour le gameplay, quoi, tout simplement. Oh pourquoi pas, oh, oh pourquoi pas, oh Gomez, oh, oh c'était magnifique, oh non. C'était dégueulasse ça. Eh, sérieusement, j'avais fait une action de ouf. Je sais pas qui avait fait la passe là, mais elle était hella de... Ouais, non mais attends, ça, par contre ça c'est connerie là. Genre j'ai plus de défense au bout de 2 secondes là. Ah voilà, c'est bon, merci.
Ah bon allez, c'est la mi-temps les gars. Pour l'instant franchement c'est super équilibré. Mais c'est surtout que cette première mi-temps a été dégueulasse. Bon, il y a eu deux buts, donc ça va. Dont un magnifique là, son coup franc. Bon, rien à dire, c'est rien but de boys. Bon bref, de toute façon les gars, on va enchaîner avec la deuxième mi-temps. Et c'est pas vraiment deuxième mi-temps, on va niquer des merdes. Et puis voilà, c'est tout. Steven Gerrard, oula, ça c'est bien joué. Allez, là, est-ce qu'on peut tirer? Ah, c'est dommage. Mais là, le petit crochet, peut-être pas rapide, mais au moins efficace. Bon, allez, Balde Diao. Ouais, peut-être le show, Balde Diao. Tac, il va remettre. Oh, c'est dos. Oh, oh, mais je marque, Oh non! Oh l'enflure, c'est pas fini. Ah, c'est fini. Oh là là. Ah là 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 là. Ah, on a du mal là. Ah les gars, je vous mens pas, on a beaucoup de mal là à jouer. À essayer de faire quelque chose à l'image de ça, tu vois. Ah, wow, bien joué, bien joué, bien joué l'arrêt. Bien joué l'arrêt, Duarte. Bien joué, moi j'y crois encore. Je crois en toi, t'inquiète, frère. Par contre, les gars, si on va en prolongation, on est mort. Hein, parce qu'avec Papy, là, les deux Papy, là, Lampard et Gérard, là, ça va pas tenir longtemps. Hein. Oh, bien joué. Oh, le duo Gérard-Lampard, auteur de cette récupération. Allez, allez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mohamed Salah! Ah oui! Le but de 1, magnifique! Magnifique l'action de Mohamed Salah! Et qui est à la récup? Les deux, Gérard et Lampard, les gars, ils sont à la récup, les deux en même temps, c'est magnifique! Bref, les gars, 2-1, ça c'est parfait! Bon, maintenant, je pense qu'on va mettre le bus et on va jouer en contre-attaque, les gars! Ah, non, non, allez, oui, Duarte, quelle sortie de Duarte! Quel homme! Bien joué! On va dégager direct! On a vu Mohamed Salah, est-ce qu'on peut la conserver là-bas? Bien sûr! Tac! Avec Gomez, est-ce qu'il y a un... Ouais, bien joué. Tac, on va la conserver. On va pas se presser. On va la conserver. Tac, il y a du Lampard là-bas. Il l'a vu à gauche. Oh là 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 là, c'est dommage. Mais cette passe-là, elle devait passer normalement. Voilà, par contre, les gars, on va souffrir. Par contre, les gars, non, non, non. Eh ouais. Eh ouais, les gars, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, je continue à attaquer. Il fallait mettre le bus et ne plus jouer. Mais je n'arrive pas à faire ce jeu-là, en fait. Je suis trop honnête comme gars. Oh, non, non, contre favorable de ouf. Oh, bien joué. Bien joué, Duarte. Bien joué. Ça va nous offrir une contre-attaque. Et si ça nous offrait la contre-attaque du but? Et si ça nous offrait... Attends, on va se concentrer maintenant. Ouais. Mais wesh! Il est sérieux? Il a sifflé maintenant? Bon, bref, 2-2, les gars. On va changer à... Ah ouais, mais ouais... Oh, ils sont morts hein, en fait. Ouais, bon, on va pas faire de changement, on va jouer comme ça, bim, on en a rien à foutre, on continue les gars. On va s'arracher pour cette victoire. Juste pour Gérard et Lampard, on va s'arracher les gars. Allez, tac, bim, on retrouve, tac, on retrouve Lampard. Crochet, oui, l'enveloppé. Alors, on va quoi? Oh là 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 là, mais quel but de Franck Lampard, mais c'est un truc de malade. Oh, le crochet, l'enveloppé, et De Réa qui peut rien faire. De Réa, il peut rien faire, c'est impossible, qu'est-ce que tu veux faire? Allez les gars, maintenant, essayez de ne pas reproduire la même erreur, et essayez de, voilà, bon, s'il marque sur une attaque placée, bon voilà, mais ne pas se faire piéger en contre-attaque, et on va bien rester derrière les gars. Aïe aïe aïe, on va souffrir. Ah ouais, là c'était sûr, ça c'était sûr. Non, il marque pas. Voilà, la défense, elle est A. Il marque A. C'est bon, tranquille, les gars. On a la mi-temps de prolongation. Voilà, franchement, on est super équilibré. Il a juste un tiers de plus que moi. On a même nombre de tirs cadrés, la même possession. Bon, bref, les gars. Là, les gars, c'est le bus ou rien. Et il fait rentrer Anthony Martial. Putain, ça sent pas bon, ça. Par contre, les gars, moi, je pense que là, Lampard, bon, il a marqué tout ça. Mais regardez sa barre, gros. Dans pas longtemps, il fait un AVC, gros. C'est pas place aux jeunes avec Balde Diao. Balde Diao, oh là là là, Balde Diao, qu'est-ce qu'il est fort en tots, hein. Qu'est-ce qu'il est fort, hey, Gomez, oh là 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 là, mais 4-2, c'est magnifique, mais c'est magnifique, que c'est magnifique ça, oh là 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 là, l'action de Balde Diao, et la passe, elle est passée, mais normalement, et la finition de Gomez, bien sûr, comme d'habitude, magnifique, franchement parfait, 4-2 pour le moment, on est bien. Ouh, Martial le poteau, je l'avais dit, je le sentais pas sur l'entrée, mais finalement si, ça va. Attention, allez, corner. Oh, c'est bon, Duarte. Tranquille. Et il a plus de gardien. Attends, est-ce que je peux marquer de là?
Est-ce que... Ah non, ça me l'a mis un défenseur. Putain, hey, je suis sûr que j'aurais pu marquer bien. Bref, les gars, donc voilà, victoire 4-2. Voilà, vous avez pu voir quand même très très bonne prestation de Steven Gerrard et Frank Lampard. On peut voir les notes. Frank Lampard, bon, homme du match. Gerrard, bon, il aura eu moyenne note, mais franchement, voilà, c'est un super joueur. En tout cas, je vous dis, j'avais été. De toute façon, je vous avais montré les stats un peu. J'avais déjà joué un peu avec eux et j'ai créé une MLS, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et franchement, les gars, aucun regret d'avoir fait ces deux SBC. Donc voilà, je vous les conseille. Je vous ai dit à peu près combien écouter. N'hésitez pas à aller sur Footbin pour les faire. Et voilà, si vous avez kiffé cet épisode de Il était une fois, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. C'était Hakim Pas Possible. Si tu viens tout juste de me découvrir, abonne-toi frérot. Sinon, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la pouce. Honnêtement, même si bon, dès le premier épisode, on a déjà eu notre première défaite, moi je sais qu'on peut franchement gagner avec cette équipe-là. Moi je sais qu'on peut gagner la Division 1 avec cette équipe-là. Et ça serait bien aussi de gagner la Division 1 avant que FIFA 18 sorte. Ça serait peut-être pas mal.